Rocky. Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur The Nadi Project, un jeu développé et édité par Monkey Tale Studio. Sorti le 1er juin 2016, ce jeu inspiré du monde de The Vanishing nous plonge dans un monde aux allures lugubres. On intègre le personnage de Jeremy Parker, un homme d'affaires parti en voyage pour le travail à Genève. Nous allons découvrir tout de suite le reste de l'histoire dans ce let's play. Alors, start new game, c'est parti les amis. Aéroport de Hong Kong. Avions qui passent. Bonsoir Rose. Bonsoir Jérémy. Bienvenue à bord. Est-ce que vous voulez manger quelque chose pendant votre vol vers Genève? Non merci. J'ai un rendez-vous très important. J'ai juste besoin de me reposer quelques heures. Très bien. Je vous réveillerai juste avant l'atterrissage. A plus tard. Ok! Donc on a parlé avec Rose. Qui doit être, je pense, une hôtesse. Et là on se retrouve donc dans l'avion, le jet privé. Donc un jeu développé par Monkey Tale Studio et édité aussi par eux. Qui nous présente donc le jeu The Nadi Project. Une histoire qui a l'air superbe d'ailleurs. Un jeu indépendant qui est gratuit sur Steam. Alors, ces voyages fréquents me donnent de gros mal de tête en gros. C'est ça. Il pense avoir posé ses pilules en gros quelque part. Ah, les touches anglaises, j'avais oublié. Jeu indé anglais, forcément touche anglaise. On peut pas passer. La porte est fermée. Ah bah tiens, on a trouvé. Elles sont ici. Alors, il doit donc d'abord diluer les pilules dans de l'eau. Donc je pense que... Ok. Et maintenant il peut prendre la pilule dans un verre. Oui, c'est un verre. Mmh. Ah très bien. Il prend un doliprane, ça y est, l'avion se crash. Bon. Boom. Ah, ce son me donne des frissons dans le dos là. Ah, c'est horrible. Où es-tu, Jérémy? Alors, en gros, tu as voyagé toute la nuit à rester entre la vie et la mort. Mais les courants chauds du golfe de Neptune t'ont amené jusqu'ici, jusqu'à moi. Enfin, à moi, quoi. Qui je suis, mon nom est Anna. Bonjour Anna. Bienvenue sur mon île perdue dans le temps. Merci Anna. 2 days later. 2 jours plus tard. Day says the past. Ok, donc elle a dit que le passé ne vous donnait qu'une seule chance. J'ai pas tout compris. Mais est-ce vrai? Depuis hier, j'entends la voix de cette petite fille résonner dans ma tête. Je sais que ça peut paraître complètement illogique. Mais pourtant, c'est la vérité. Le jeu est super bien fait. Ce son me donne des frissons, c'est horrible. Nous avons un bateau. C'est un vieux bateau, le temps et les conditions ont fait de lui une épave.
un bidon explosif sur une île déserte. Et un rubis. C'est un fragment de pierre précieuse. Je ne me sens pas très bien. Ok les amis, c'est parti pour une cinématique. Je vais mettre des sous-titres hein, je pense pour les phrases que j'arrive pas à traduire. B. Qu'est-ce qu'elle me veut, je crois. C'était la voix d'Anna. On dirait qu'elle veut nous raconter son histoire. Alors d'après ce que j'ai compris, en fait, dès qu'elle est arrivée sur l'île, elle a trouvé l'île assez bizarre. Mais son père disait que du bien par rapport à l'île, en fait. Et en arrivant, il lui a dit que ça allait être sa maison pour quelques années, sauf qu'il a menti et qu'il savait pas mentir. Je suis certainement sûr de n'avoir jamais vu ce passage avant. Et sauf qu'il sait pas mentir, que son nez, son visage devient rouge et qu'il se frotte le nez avec sa main droite. Si c'est ce que j'ai compris. On a des tombes, très bien. Grave. Alors, la pierre tombale dit pour ma sœur Anna. Repose en paix. Je suis effrayé de la terrible histoire qui se cache sous cette pierre. Je crois que c'est ça, normalement, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Une pancarte. Cerberus Electronic. Attention, l'accès à l'île est strictement autorisé au personnel. Enfin, seulement au personnel. Alors en gros, le staff de l'entreprise n'est pas responsable de ce qui arrive aux gens qui sont pas du personnel en gros quoi. Une lampe. Cet objet date des années 40. Ouais. It smells strongly of gas. Il sent fortement le gaz. On a encore un rubis. Tension cinématique, c'est parti. Jack voulait m'amener ici pour montrer quelque chose. Il m'a dit que quelque chose de magnifique se cachait dans la grotte. Nous avons pris la lanterne de mon père et nous sommes aventurés dans la grotte seule. Maintenant, cet endroit me fait flipper, mais je suis avec Jack. Et il m'a promis que aussi longtemps que je serai avec lui, rien de mal pourrait m'arriver. Petite cinématique, très courte, mais qui est bien passée. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut courir, c'est nickel. Waouh, c'est vraiment flippant ici. Je suppose qu'il faut aller directement dans la maison. Ah, remarque, il y a un passage qui va là-bas aussi. On va aller à la maison. Je suis pas très serein. Ok. On est entré. On va d'abord visiter tout le bas, puis ensuite on va visiter le haut. D'accord, on peut pas passer par là. Il y a un mur invisible qui nous bloque. Par ici, on a quelque chose. D'accord. Ça, on peut pas l'ouvrir. Ah. Un papier. Il y a un nombre là-dessus, mais je ne peux pas le lire. Ce n'est pas complet. D'accord. Le numéro 2.
encore une lanterne. Le jeu est quand même super bien fait, puis nous met vraiment dans l'ambiance quoi. Donc on va passer à l'étage rapidement, voir ce qu'il y a là-haut. Bouteille de gaz. Est-ce que c'est un... Oui, nous avons un rubis cinématique, c'est reparti. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Nous avons voulu le fêter, même si elle n'est plus ici. Ce matin, papa et moi nous avons fait des muffins. Ce sont ses favoris. Nous essayons de nous rappeler comment elle était, pour nous sentir moins seuls. Mais ce n'est pas facile. Ce matin, j'ai trouvé une grosse pierre rouge dans la cave avec Jack. Elle était magnifique, elle brillait dans le soleil. Ceci aurait fait un superbe cadeau pour elle. Alors pourquoi est-ce qu'on a une vue sur un phare? C'est très bizarre. Donc alors si on récapitule, Anna vivait ici avec son père, sa mère était morte. Et il y a un Jack qui traîne dans le coin, on sait pas qui c'est ce Jack. Qu'est-ce qu'on a par ici? Radio. La radio est éteinte. Ouais, c'est cool. Alors on doit rallumer le courant sur la sur l'antenne radio. Qui se trouve... Ah, là-bas, d'accord. On a un livre. La théorie de la magnétisation radio. Alors c'est un livre qui explique... qui explique les détails sur la théorie de la magnétisation radio. D'accord. D'après ce que je sais, c'est une méthode expérimentale qui permet de communiquer avec d'autres entités à travers un espace-temps continu. Un truc, quelque chose comme ça. Ils auraient vraiment trouvé une façon de communiquer avec les fantômes. Faut croire que oui, vu qu'on parle avec Anna. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Que dalle. D'accord. Donc on va ressortir de cette maison. Ah, on a un mur, une note sur le mur. D'accord. Oh, Meso. 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 Mais c'est de l'espagnol. Ah oui, d'accord, on a l'anglais en dessous. I put the hatchet for the wood in the safe. The code is... Non, c'est de l'italien en haut et en bas de l'anglais. D'accord, donc il a mis la hachette pour le bois en sécurité. Le code est 3 petits points. Donc je pense que le papier qu'on a trouvé, ça doit être le code. Donc manque plus qu'à trouver les deux autres papiers. Les deux autres papiers. Et le coffre où se cache la hache. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une hache? Il faut se défendre dans ce jeu. On va aller voir le camion d'abord. Ah tiens, on a bien fait une note. Ok, c'est encore la même chose. Nous avons donc un nouveau numéro qui est le 1. Super. Et on paraît combien que le dernier c'est le 3. Est-ce qu'on va aller au phare maintenant? Non, je pense pas. On va quand même retourner vers l'antenne radio histoire de remettre le courant. Par contre, je vous préviens, c'est un jeu narratif, donc vous attendez pas à beaucoup d'action. Ça va être tout simplement dans le scénario, en fait. Alors, une antenne radio sur une île perdue, elle est éteinte. Wow, j'ai pas tout compris. En gros, je crois qu'ils veulent remettre le courant, donc ça va être là-dessus, Power Unit. Alors, mon père avait une chose similaire chez lui. C'est un générateur électrique. In case of emergency. Ah, on a un rubis ici. Très bien.
C'est reparti pour une cinématique, les amis. Alors j'ai rencontré Jack pour la première fois ici. Il avait peur de me voir, j'avais peur de le voir. Il a apparu derrière un arbre. Mais maintenant c'est mon meilleur ami. Jack n'est pas un enfant. Non. Alors, d'après ce que j'ai compris, Jack c'est un esprit. En tout cas, je vais vous mettre les sous-titres, histoire de comprendre un peu plus l'histoire. Parce que c'est sûr que sur un jeu narratif, si on comprend pas l'histoire, c'est un peu con. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Door panel. Oui, forcément. Il pense que ce truc peut ouvrir la porte. Il y a un drôle de bouton dessus, je crois. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ça m'inspire pas confiance, cet endroit. Alors là, pas du tout. On peut même pas y rentrer, d'ailleurs. Ah, on a un rubis. C'est parti pour la cinématique. Tout est magnifique ici. Nous avons beaucoup de matériel électronique. Tous les jours, nous avons une délicieuse nourriture qui arrive. Mais... Alors, j'arrive pas à tout comprendre. Les jours sont longs et ennuyants. Ou ils se ressemblent, je ne sais pas. La nuit, mon père me raconte des histoires... Je suis perdu. Très bien. Donc écoutez les amis, on va se laisser sur cette cinématique. Ça va faire, je pense, à peu près 20 minutes d'épisode là. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de ce let's play. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Sur ce, tenez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.